On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle série Organisation by Loli. Dans cette série, il y aura l'organisation extrême de la salle de bain, de la cuisine et de toute la maison. Et comme vous l'attendez tous, on se retrouve bientôt pour le home tour. Ce sera la fin de cette série. Aujourd'hui, c'est le premier épisode Organisation extrême et rangement de toute ma coiffeuse et de mon coin beauté. Donc là, je vais commencer à tout trier, tout ranger, tout nettoyer pour enfin utiliser ma coiffeuse correctement. Ça fait des mois que je la délaisse, donc je vais enfin avoir une coiffeuse de rêve. J'attends vos likes et vos petits commentaires, ça me fait toujours plaisir, surtout pour me soutenir dans ce nouveau concept. Et n'oubliez pas de me dire si ça vous plaît, parce que j'ai trop hâte de tout vous sortir les épisodes. Et surtout, abonnez-vous! Kisses, no, 30 degrees, way too cold, so hold me tight. Will I see you at the show tonight? Will I see you at the show tonight? J'ai acheté ce rangement sur Shein à 2 étages pour poser mes parfums. Vous pouvez vous en servir pour poser tout ce que vous souhaitez, même vos produits de beauté. Comme d'habitude, tous les liens seront en bio. Là, je m'attaque au tiroir de ma coiffeuse. Je vous avoue que j'avais tout entassé. Carrément, je me rappelais même plus de ce que j'avais à l'intérieur. J'ai pris ces rangements sur Ikea. Franchement, ils étaient au prix de 1,99€. Et c'est trop bien. Il y en a 2 qui rentrent parfaitement. Ma coiffeuse, c'est la Malm de chez Ikea. Mais je vous mettrai aussi tout en lien, en barre d'infos. Vu que j'ai beaucoup de miniatures parfums, j'ai décidé de les mettre dans ces rangements. Et ces rangements, je les ai pris chez Primark, mais vous en avez également chez Shein, donc je vous mettrai tout en lien. Je trouve que ça fait beaucoup plus rangé que là, sur la coiffeuse. Je trouvais que c'était un petit peu désorganisé. Donc là, c'est trop bien les mini parfums dans les rangements. On s'attaque à mon meuble de rangement, donc je l'ai pris chez BM, il était pas cher du tout et c'est le dupe de celui de chez Ikea. Vu que j'ai énormément de produits de beauté, je me suis dit que ce meuble était parfait avec 5 tiroirs. Le meuble a 2 tiroirs, je l'ai pris chez Ikea, donc c'est une commode. Et à l'intérieur, je range les appareils chauffants pour les cheveux tels que le sèche-cheveux, le lisseur.
J'ai pris plusieurs poufs de rangement, je trouve que c'est une très bonne alternative pour pas trop voir le désordre. Vu que j'ai pas du tout de place pour mettre une chaise, je me suis dit qu'un pouf de rangement c'était très bien pour m'asseoir. Et celui-ci, je l'avais acheté chez Aldi à 8€. J'en ai pris un de chez Action en bouclette. Il est trop beau en crème. J'ai trop hâte de le déballer parce que ça fait un moment que je l'ai toujours pas déballé. Voilà le résultat de ma magnifique coiffeuse, toute rangée, toute ordonnée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je suis amoureuse d'elle. Vous savez, pour celles qui ont la coiffeuse mâle, on ne peut pas ouvrir le tiroir entièrement. Et là, j'ai regardé un tuto sur YouTube, donc mon copain il me l'a fait et je peux enfin ouvrir le tiroir entièrement. Je vous mettrai le lien de la vidéo YouTube en bio pour que ça puisse vous aider. Le meuble de chez BM, je ne savais pas trop où le mettre, donc j'ai décidé de le mettre vers mon dressing et à côté de ma petite commode. Et j'ai mis quelques décorations avec mes parfums et mon petit journal de production. J'ai essayé de le décorer comme j'aimais, avec des petites tulipes de chez Shein. Elles sentent trop bon et franchement, elles sont trop bien, les fosses. Premier épisode de la série Organisation by Loli est fini, donc c'était rangement du coin beauté. On se retrouve mes chéris dans le deuxième épisode avec la cuisine. J'ai trop hâte de vous la tourner et de vous la mettre. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Mouah.